Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un hall action, voilà. Pas très grand, mais je suis allée dans deux actions aujourd'hui parce que je cherchais quelque chose. Voilà. Il y a Fifi qui vient dire bonjour, comme d'habitude. Elle a bobo à ses oreilles. Alors je ne peux pas toucher sa tête. T'as des bobos à les oreilles. Alors si vous voyez mes cheveux voler, c'est normal, j'ai le ventilo qui est juste devant moi. Donc même le bruit, je suis désolée. Mais je ne peux pas l'arrêter, il fait trop chaud. Alors, j'avais vu sur un groupe de Facebook qui fait action. C'est Action fait son scrap ou voilà, un nom comme ça à peu près. Il y avait un article qui était sorti cette semaine chez Action, donc une nouveauté pour le scrap, et je me suis dit il faut que j'aille le chercher. Cette chose, je l'avais déjà il y a un petit moment, et moi j'avais acheté le vrai, voilà, vous allez comprendre après, j'avais acheté le vrai puis j'avais revendu. Et là, Action l'a sortie. Donc c'est la copie conforme du vrai, mais pas au même prix. Et donc ce matin, comme on devait aller à côté de Lille, et là-bas il y avait un plus grand Action que moi, j'ai dit bon, on va aller à l'Action là-bas. Je vais certainement le trouver. Je vais mieux que dans le mien qui est prochain. Et ben, il n'y était pas. Voilà. Donc j'ai pris deux, trois choses là-bas que je vais vous montrer après. Et cet après-midi, avant d'aller chez mon kiné, je suis allée dans mon Action et j'ai trouvé, ben, il y était. Voilà. Donc j'avais pas besoin d'aller aussi loin. Bon, de toute façon, il fallait qu'on y aille. Donc c'est ça. La tablette, c'est une tablette de rainurage et qui fait également des enveloppes. Voilà. Donc moi j'avais la vraie. Alors la vraie, la marque, je ne saurais plus vous dire le nom. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Mais elle est bleue, la vraie. Et le prix de la vraie est entre, suivant les sites internet, elle est entre 12 et 15 euros. Voilà. Et ici, à Action, elle est à 3,59€. Voilà. Alors, c'est exactement la même. Voilà. Sauf la couleur. Il n'y a que ça qui change. Donc là, je vais vous l'ouvrir hein, pour vous montrer. Donc, en plus, je suis contente parce que du coup, je récupère la perfo à coin. J'en avais plus, puisque comme j'avais vendu la mienne, bah, j'avais vendu avec la perfo. Et ça me manquait. Donc, je suis contente de l'avoir. Et alors, par contre, je vous le dis tout de suite, si vous la voulez, courez tout de suite dans votre Action. Voir s'il y en a encore, parce qu'ils viennent de le sortir, donc cette semaine. Mais le code barre, vous savez, les petites étiquettes, le code barre est déjà paré. Voilà. Donc, il n'y en aura plus. Voilà. Ce sera la seule et unique fois où ils vont le sortir. J'ai eu la confirmation également de la vendeuse de mon Action cet après-midi. Donc, ce sera la seule fois où ils vont le sortir. Donc, si vous le voulez, ben, allez très très vite dans votre Action, voir s'il y en a encore. Parce que ben, sinon, vous ne l'aurez plus. Voilà, ils ne sortiront qu'une seule fois. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, j'essaie de ne pas me couper. Alors, en plus, quand je suis allée dans mon Action cet après-midi, sur le coup, je ne le voyais pas. Je suis regardée, puis à l'heure où j'y suis allée, il était presque 6 heures. Donc c'était le boxon complet dans le rayon.
J'avais été voir la vendeuse, j'avais la photo, donc je lui ai montré. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez reçu ou est-ce que vous allez recevoir l'article ? Elle me dit, ça ne me dit rien. Elle dit, donc elle était gentille, elle dit, je vais venir voir avec vous dans le rayon. Donc elle est revenue voir avec moi dans le rayon, on ne le trouvait pas. Elle a appelé son responsable, avec son téléphone, hein, dans la réserve. Et elle, ça ne lui disait rien du tout. Et puis, en parlant avec elle, je fais, ouais, en plus, j'ai vu le boxon qu'il y a dans le rayon. Elle fait, ouais, ça, c'est les clients. Je fais, ouais, je comprends. Elle dit, pourtant, on n'arrête pas de ranger. Et puis, j'en ai vu, mais deux. Pas trois, mais deux. Un qui était rangé, oublié dans un autre article. Et puis, un qui était placé là où il fallait, mais qui était tout dans le fond du rayon. Ils ont fait la vente, ça y est, c'est ça. Et c'est là qu'elle m'a dit, vous avez de la chance parce que là, l'étiquette est déjà barrée, donc il n'y en aura plus. Donc, comme je viens de vous dire, si vous le voulez, courez très très vite dans votre action, voir s'il y en a encore, parce que s'il n'y en a plus, c'est fini. Il y en a, je vous dis, ils l'ont sorti cette semaine, mais il n'y en aura pas d'autres. Donc voilà, je vais enlever les papiers, la perfo. Alors voilà la perfo. Bon, vous la connaissez peut-être, hein. Ça se vend aussi tout seul, ça, la vraie marque, hein, ils la vendent tout seul. Alors vous avez un côté où vous pouvez faire des coins en forme d'angle droit. Et de l'autre côté, ça fait en forme de arrondi, si je ne me trompe pas. Alors attendez. J'ai pris une feuille, je vais la couper en deux, ce sera mieux. Pour vous montrer. Fifi, il garde la place, elle est juste devant le ventilo. Là, elle est bien. Alors, ce côté-là, on va faire d'abord. Voilà. Voilà, donc un côté où ça fait un angle à l'intérieur, comme ça. Et de l'autre côté... ça fait un arrondi comme ceci. Voilà. Bon, là j'ai mal à appuyer, bon, c'est pas très net, mais voilà, voyez. Donc à l'extérieur, voilà ce que ça fait. Donc ça, la petite perfo et la tablette. Donc la tablette, ça s'utilise dans les deux côtés. Donc voilà la petite tablette avec son petit stylet. Hop. Voilà le petit stylet pour faire les rainures, hein, ici. Alors les mesures sont en inch et en centimètres. Il y a les deux. Donc là c'est des inch. Là aussi. Voilà, en bas c'est des centimètres et ici sur le côté c'est des centimètres également. Donc là vous posez votre feuille. Alors je vais essayer de... vous avez juste à poser votre feuille comme ceci en dessus. Et voilà, bon là je suis pas très bien mise, hein, mais je vous ferai une vidéo, de toute façon une vidéo tuto. Voilà, et vous avez juste à passer votre stylet dessus, voilà, et ça vous fait donc, vous voyez, alors je vais essayer de vous, voilà, comme ça vous le voyez, et après vous pouvez faire un pliage si vous avez besoin de faire votre pliage, voilà, donc c'est surtout à ça que ça sert.
Alors, derrière. Alors, par contre, je viens de voir. Mais ne perdez pas en même temps l'emballage, parce qu'il y a des explications pour les pliages, voyez, avec les avec des mesures. Alors, les mesures sont en inch et en centimètres. Donc ça, c'est bien. Inch et là en centimètres. Ah, Fifi, bouge. Merci. Voilà. Donc ce carton-là, ne le mettez pas à la poubelle, du coup, gardez-le. Même là derrière, vous voyez, vous avez des explications pour faire des pliages. Donc là, ça vous permet, par exemple, ça vous montre comment faire une boîte avec un couvercle. Et ici, ça vous montre comment faire une enveloppe. Et donc, pour faire les enveloppes, c'est ici. On peut faire de ce côté-là, voilà. Avec les traits ici. Mais je vous ferai un tuto. Parce que là, c'est compliqué de vous montrer comme ça tout de suite. Et là, vous avez aussi des petites impressions. Voilà, vous voyez. Pour faire des petits dessins sur votre papier en gaufrage. Voilà. Donc, le stylet se range ici. Voilà. Il y a juste à glisser. Et du coup, bah, ça vous range. Voilà. Donc ça, cette petite planche-là, elle est à 3,59 €. Voilà. Je suis contente. Bon. Quand j'ai vendu la mienne, après, j'étais déçue de l'avoir vendue. Mais du coup, je suis contente d'avoir retrouvé celle-là. Alors, surtout, courez vite. Parce que vous n'en aurez plus. S'il n'y en a plus dans le rayon, vous n'en aurez plus. Alors, ensuite, j'ai trouvé des tampons. Je ne les ai pas tous pris parce qu'ils ne me plaisaient pas tous. Comme j'ai dit, maintenant, je prends ceux qui me plaisent, ceux que je suis sûre de me servir. Alors, les tampons, je les ai... C'était 79 centimes. J'ai pris cela pour faire un peu sur des cartes d'anniversaire, par exemple, ou même sur des petites invitations. Voilà. La petite part de gâteau, les petits drapeaux, là, je cherche le nom, le petit ballon, la petite théière, elle est jolie, les petits cupcakes. Et là, il y a les petits gâteaux aussi, hein, en bas. Celui-ci, alors, c'est les petites les feuillages. Avec une petite libellule, là. Un petit papillon aussi. Celui-ci, les fleurs. Allez, ça fait reflet. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé, surtout pour ça, pour la trappe-rêve. Et pour la lune, donc les plumes, la petite flèche, là tout, vraiment tout est beau là. Là c'est un petit tipi là, les petites cornes de cerf. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé, avec les têtes d'animaux, oui, le petit panda, le zèbre, la girafe. La petite panthère et les deux fonds de les deux tampons un peu fonds, donc zébré et panthère. Donc, super beau. Ils font des jolis tampons, hein, je crois, de plus en plus chez Action. Bon, après j'ai pris deux cols. Bon, là j'ai trouvé que celle-là, il y avait la blanche et en transparente, il n'y avait que celle-là, mais elle voit bien, c'est celle que je me colle plein les doigts, mais bon.
Ensuite, j'ai pris des blocs papier. Alors, les 35. Le premier. Alors, les blocs papier, c'était... Je sais pas si j'ai mis là. 1,89. Oui, c'est ça, 1,89. Donc, celui-là. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ah, bah alors, je vais y arriver. Là, les petits cornets de glace. Les petits cœurs. Donc il y a une feuille avec du doré et trois feuilles sans doré. Là, c'est des petits oiseaux. Des petits losanges. Donc là, sans le doré. Là. Un petit chiné doré. Donc là, les... Oh, pardon. Là, les petits points sont noirs. Là, avec des petits pois. Des petits cœurs. Une petite maison comme ça. Voilà. Voilà pour le premier. Alors moi, ces blocs-là, je m'en sers surtout, c'est pour faire pour les cartes. J'aime beaucoup. Donc le deuxième. Alors, je vais... Donc toujours une page avec du doré et trois pages sans doré. Voilà, celui-là est joli. Ils sont tous jolis, hein, là. Hop. Là. Celui-là, comment il est beau. Là, des petits pois. Celui-là, avec des petits carrés. Et encore des petits losanges. Voilà. Alors, celui-ci. Alors, déjà, le premier, je l'adore. Là, les ananas. Là, avec des fleurs. Celui-là aussi est super beau. Des petits citrons.
Voilà, pour celui-là. Et le dernier. Les papillons. Des cœurs. Des petites lignes. Des gros pois. Encore des lignes. Là, comme des petites gouttes d'eau. Là, du feuillage. Voilà, celui pour le dernier. Donc, j'ai de quoi faire. Il va y avoir de la carte. Et pour terminer, j'ai craqué sur trois. Alors, il y a des nouveaux blocs 30-30, mais j'ai pas craqué sur tous. Je les aime pas tous, les nouveaux. Sauf ces trois-là. Alors, le premier, c'est un noir et blanc. Voilà. Black and White Collection. Voilà. Alors, ça c'est sur un autre ticket. Ventilateur à la fin, ça sèche. Hein. Je crois que ça doit être 1,89. Ouais, je crois que c'est 1,89€. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux. Hop. Regardez celui-là, comment il est tout mignon. Je vais vous les montrer comme ça, ça va aller mieux. Là, un peu sur le thème de la mer. Là, il y a des petits loves. Bon, celui-là, c'est pas mon préféré par contre. Voilà. C'est un ça ressemble à des méduses, je sais pas. Là, non, pas celui-là. Là, du feuillage. Des framboises. Là, ça ressemble un peu à des petites feuilles de houx, bien de troène, je ne sais pas trop. Ici, les pots de confiture et de miel. Là, des pots de fleurs. Alors là, c'est fait, on dirait les plantes, comme on appelle ça, les plantes de belle-mère. Moi, j'en ai une par là, avec des cactus. Là, des petites croix. Bon, là, c'est tout simple, c'est des lignes. Là, on arrive au milieu. Donc, vous allez voir le... Donc, c'est des recto verso. Hein. Là, c'est des fleurs. Et donc, maintenant... Des personnages. Là, c'est des perroquets, des toucans, bon, enfin, toutes sortes d'oiseaux. Des petits pois, noirs et blancs, donc. J'ai encore une feuille de... des oiseaux, hein.
Voilà. J'en ai une deuxième. Là, des petits losanges. Là, des plantes vertes. Il y en a que je vais peut-être garder en entier, ça me donne une idée. Les garder en entier, les mettre sous cadre, par là peut-être, avec toutes mes plantes. Ça me donne, je pense que je vais faire ça. Vous voyez ce genre-là, justement comme c'est noir et blanc, avec toutes mes plantes qui sont vertes dans ma pièce par là. Je crois que je vais faire ça. Là, c'est quoi ça? Ah, les voitures. Ouais, celui avec toutes les plantes, je crois que je vais faire ça. Celui-là, je vais prendre celui-là. Et celui-ci. Je pense que je vais faire deux cadres avec. Ouais, ça me plaît bien. Là, un quadrillage. Ah, des girafes, des éléphants, des zèbres. Voilà, une page d'écriture. J'aime bien les pages d'écriture comme ça. Là, une page style carrelage ancien. Voilà, c'est tout pour celui-là. Et oh ben j'avais pas vu celui-là. Si, je sais plus, je voulais montrer. Je sais plus si je vous ai montré celui-là, les plumes. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là, sauf celui avec les méduses, mais bon, je fais rien. Je me servirai de l'autre côté. Ensuite, le Nature Vintage. Voilà, donc la couleur plus placée. Pastel, voilà. Allez, je vous montre. Avec des arabesques. Encore du feuillage. Il y a beaucoup de feuillage. Ça fait pas mal aussi ça, encadré. Des papillons. Avec des clés, des petits bouquets de fleurs. Celle-là est jolie aussi. Attends, Fifi. Oui, c'est bien. Voilà. Papillon et des fleurs. Là, un rose avec une fine ligne. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une fine ligne dedans. Là, c'est un uni comme ceci. Là aussi. Ouais, les feuillages, ça m'inspire bien pour encadrer. Rose comme ça. Oui, joli celui-là. J'aime beaucoup. Là. Là, c'est pas, on, je ne fais pas des cartes hein, là-dedans. Là, je m'en sers pour faire vraiment du scrap. Voilà, encore feuillage, mais en bordeaux. Là, ici, une page avec comme des étiquettes. Voilà, des bouts de papier, des... On peut découper, la récupérer. Là, on arrive au milieu. Donc, un verre avec des petits pois blancs. Donc, maintenant, le verso. Une petite libellule. Il faut les voir. Hein. Je sais pas si... Voilà. Encore des libellules. Je connais quelqu'un qui adore les libellules. Créa Mélan. Je sais pas si tu passes sur ma chaîne en ce moment, mais... Il y a beaucoup de libellules. En voilà encore. Je sais qu'elle adore les libellules. Un
vert avec des fines lignes. Voilà, un fleuri comme ça. Vert comme ceci. Donc celui-là, on l'a déjà vu, mais là, il est dans une autre couleur. Un mini. Comme ceci. Je fais des muscles. Hein. Et là, c'est quoi? Des petites mouches. Des petites mouches, des petits scarabées, des petits insectes. C'est original. Là, celle-ci aussi est jolie. C'est tout. Donc voilà. Donc celui-là, c'était le Nature Vintage. Et le dernier, c'est le Sweet Dream. Donc c'est celui-là. Donc là, très coloré, rouge. Bon, ça, ça a plus de mal à passer, hein, mais bon. Voilà, avec des petites lignes. Il y a beaucoup de petites lignes aussi. Il y a beaucoup de petits pois. Ça, j'aime bien les petits pois comme ça. Des petits pois roses, comme ça, sur du blanc. Là, c'est rouge-rouge, hein, avec des lignes blanches. Là, jolie fleur aussi, un peu noir et blanc. Voilà. Voilà. Voilà, ici, les étiquettes. Là, des roses anciennes. Un rose plus pâle. Enfin, c'est plus des petites taches. On arrive au milieu. Donc, maintenant, le verso. Voilà. Bon, là, il y a beaucoup de pages qui se ressemblent. Je vais me faire les muscles, hein, je vous dis pas les filles. Voilà. Encore une page d'étiquette. C'est dommage, c'est toujours en anglais. Voilà. Je crois que c'est la dernière. Ah non, il y en a encore une. Voilà, des lignes. Et il y en a encore une. Donc, encore des étiquettes. Ce sera la dernière. Voilà. Là, il y a beaucoup d'étiquettes dans celui-là. C'est bien. Mais bon, comme je dis, c'est toujours en anglais, c'est dommage. Donc voilà. J'ai fait mes muscles. Donc voilà mes petits achats à Action. Vous voyez, bon, je suis sage hein, quand je vais à Action maintenant.
Bon, c'était surtout pour la planche, la plaque à rémuret. Hein, je vous la remontre. Voilà, avec sa petite perfo. Alors, je vous rappelle, si vous la voulez, courez vite demain votre action, voir s'ils l'ont encore, parce que sinon, vous ne l'aurez plus. Ce sera fini, terminé, nada, il n'y en aura plus. Et gardez bien, si vous l'avez, donc ne jetez pas le carton, surtout gardez-le bien, parce qu'il y a pas mal d'explications dessus, donc pour faire les boîtes, les enveloppes, il y a pour les mesures également, donc ça, surtout, il ne faut pas le jeter. Donc voilà, ça c'était quoi? Hop. Bon, non, ça c'est rien, c'était juste le petit carton qu'il y avait dessus. Donc voilà, pour aujourd'hui. Alors là, je vous ai fait mon petit haul action. J'essaierai demain de vous faire demain. Ou dans la semaine, c'est parce que j'attends quelque chose et je voulais vous faire une seule vidéo. Donc je verrai bien si je reçois demain ou après-demain. J'ai un autre petit haul à vous faire, mais j'attends encore quelque chose. Et je vous ferai aussi, je vous ai promis, la vidéo pour la broderie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Que vous aurez eu des petites idées si vous vouliez aller faire les petits achats actions, voilà, pour aller chercher du papier ou des tampons ou cette petite tablette rayurée. Maintenant, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, gros bisous.